بني في أكادير، تولدت في أكادير، قريت في أكادير، ودرت مشروع ديالي في أكادير، دوك غنوقف حدا تزرزيت. إلا سمحتي بيا. ألو غنعرف براسي، جو سوي مريم الوافي، بحالي بحالكم، كنت قريت في لالا مريم، إلا كتعرفوها، في خديجة مؤمنين في البريمير، ومن بعد في الليسي في لالا مريم، ومن بعد درت لها السجي دكادير. فاش كنت في لالا مريم، فاش خديت مون باك، جو مي بوزي دي كيستيون، أشنو بغيت ندير مورا الباك؟ واش سيونس؟ واش l'économie, l'agriculture, la médecine. Et finalement, je n'avais pas le choix parce que c'était la note qui me permettait... C'était la note du bac qui me permettait d'accéder... l'ICAN Moujoud. Je n'avais pas le choix, malheureusement. Donc, tout à l'heure, on parlait de beaucoup de choses, notamment le courage. La peur, les valeurs, la volonté de changer les choses, nous sommes des jeunes. Nous avons tant d'idées, mais je pense qu'on n'a pas encore un environnement propice pour vraiment émerger ces idées. Parce qu'on n'a pas le choix. Malheureusement, on n'a pas le choix. Peut-être que j'aurais aimé faire métier, mais je n'avais pas accès à un métier. Peut-être que j'aurais excellé l'ingénierie, mais je n'avais pas accès à l'ingénierie. Finalement, je fais ce qui est accessible et disponible. Finalement, parfois, on n'a pas vraiment... Merci. Donc finalement, on n'a pas toujours une société efficace. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'efficacité. Parce qu'on peut tout faire, mais moyen. Maintenant, si on veut changer les choses, il faut qu'on soit parfait. Et c'est ce qui nous manque au Maroc. La volonté, le sérieux, l'honnêteté, les valeurs, la religion, c'est ce qu'il nous faut. Alors ça, c'est un petit peu une petite réflexion par rapport à ce qui a été dit, parce que ça me tient à cœur de le dire. Alors, mon parcours, c'était un destin qui était plutôt orienté par ma volonté et ma détermination, parce que je crois qu'on peut faire son destin, quoique les choses ne sont pas toujours faciles. Alors quand j'ai obtenu mon bac, j'avais choisi de faire l'APESA, l'école d'ingénierie agronome. D'où se fait à deux mois, et je n'étais pas contente, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et j'ai choisi de venir à l'ENCG d'Agadir, j'étais encore sur la liste officielle. Je ne me disais jamais que j'allais exceller en économie. C'était quelque chose que je... Vous avez ma catégorie science-fiction, parce que j'étais science expérimentale. Alors j'ai passé deux ans à l'ENCG d'Agadir, c'était vraiment pour moi très facile. J'ai découvert que j'étais faite pour l'économie, mais je ne le savais pas, problème d'orientation. Alors j'ai fait deux ans à l'ENCG d'Agadir, j'étais le genre d'étudiant, et j'avais de très bonnes notes à la fin, j'étais parmi les premiers de l'école. J'ai acquis beaucoup de bagages en matière de connaissances théoriques. Mais j'avais vraiment pas le courage de parler en public, j'avais vraiment pas le courage de communiquer, j'avais pas le savoir-être. Je l'avais pas quand j'étais à deux ans au l'ENCG. J'ai eu une chance, j'avais fait un programme d'échange au Hollanda et j'avais passé une année d'études tout le monde. Là, j'ai vraiment créé mon profil, je l'ai forgé. Parce que j'étais seule dans un pays que j'ignorais, je ne maîtrisais pas assez la langue, dans une culture différente, et on était 25 pays différents, la même classe. C'était une expérience riche qui m'a permis d'avoir un peu de recul et de forger quelque chose autre que la théorie, qui est le savoir-faire et le savoir-être. Alors, pour faire ma quatrième année à l'ENCG, j'ai eu mon diplôme, et en parallèle, le hasard a fait que j'avais participé à l'émission Challenger de 2M. Sincèrement, en tant que jeune Gadiri qui avait commencé son parcours comme tout le monde, j'y croyais pas. J'avais participé, mais j'y croyais pas parce que je me disais, c'était vraiment un préjugé, c'était pas vrai parce que c'était neutre. Alors je défendais, je croyais que je pouvais faire un projet, je croyais en mes capacités, en mes compétences et je le défendais de mon cœur. Effectivement, parmi 4000 projets, ils ont sélectionné deux de la région d'Agadir et j'ai gagné le premier prix public au Maghreb.
Alors, dit que l'expérience m'a permis de rencontrer un autre monde qui n'était pas Kribinef Agadir. J'ai rencontré des grands dirigeants d'entreprise, j'ai rencontré des hommes politiques, j'ai rencontré des décideurs, des personnalités que je ne voyais que dans les journaux. Et j'ai réussi à apprendre à avoir un peu de recul supplémentaire parce que je commençais à voir le monde de la façon différente. J'ai gagné le challenger, j'avais accès à un crédit bancaire à 0% taux d'intérêt, où j'ai dû l'agrédir pour faire mon projet. Alors quand j'ai commencé à réaliser le projet, c'était un parcours de combattant. Quoique j'avais beaucoup de facilité du fait que j'étais médiatisée, quoique j'avais l'accès au crédit bancaire qui n'était pas facile à avoir, parce que même si on avait la promesse d'avoir un crédit bancaire, il fallait faire ses preuves. Parce que le banquier m'a dit même si j'étais à la télé, il fallait vraiment présenter un dossier bancable respectant les normes des banques actuelles. Donc finalement, il y avait la facilité d'accéder au crédit, mais ce n'était pas ma garantie. Donc j'ai passé 6 mois pour convaincre la banque à me donner l'argent. Donc ce n'était pas vraiment du automatique, ça fait un heure de plus. Alors, avec les 6 mois, moi, je venais d'avoir mon diplôme, j'avais 0 dirham dans ma poche. Pour aller blassa, il me fallait 50 dirhams, je ne l'avais pas. Il fallait un minimum d'argent pour pouvoir réaliser ce projet en attendant que la banque me débloque le crédit. Alors, je raconte ces détails pour dire que l'entrepreneuriat n'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose vraiment de très difficile, mais quand même de passionnant. Parce qu'on est là dans l'esprit positif. Moi, ce que j'espère à la fin de mon expérience, vous dire que tout est possible. Nous sommes jeunes, rien n'est impossible si on a la volonté de le faire. Alors, j'ai pris 6 mois pour pouvoir débloquer le crédit bancaire. Pour moi, ça fait le pire et la validesse. Mais ce n'était que le commencement. Parce que, Michel Dilflus, j'avais pris 4 millions de dirhams du crédit bancaire. Alors, imaginez un étudiant à t'atteler 4 millions de dirhams. Et moi, en tant que ceci, je suis le has, vraiment. Donc, il fallait vraiment. N'est-ce pas? Il fallait pas envoyer Edrehem quelque part. Donc, quand je tournais la serrera, qui vira. Parce qu'il fallait que je concrétise mon projet. Parce que c'était un projet peut-être de 7 millions de dirhams ou 8, que moi, je vais me faire pour 4 millions de dirhams. Il y a 100 millions de centimes. Voilà. Donc, c'était là le premier combat, c'était une bni, parce que c'était un complexe. C'était un terrain qui a fait quelques constructions, Radinouré comme Kiken, pour voir ce que c'est actuellement. Alors, au départ, c'était ça. C'était un terrain, Khawi, Kandiel Walid Larhmou, c'était la garantie que j'ai donnée à la banque. Et qui était délaissé parce qu'il fallait du moyen pour aménager un truc. C'est 1 hectare quand même, c'est beaucoup d'argent. Donc c'était ça. Initialement, c'était ça. Et moi, j'avais le concept d'apporter quelque chose à la ville d'Agadir. On n'a pas de l'animation culturelle d'Agadir. Les gens cherchent Finimchi ou Makelkanchfi. On n'a pas d'endroit pour la culture, pour la tradition, un vrai restaurant marocain. Donc je me suis dit, c'est un besoin. Il est temps de créer quelque chose pour cette ville. Donc là, quelques images de ce que c'était auparavant. Et pendant la phase de construction, c'était un parcours de combattant. Imaginez, je n'avais aucune relation avec Elbni. Je devais gérer l'architecte, le bureau d'études, le bureau de contrôle, le laboratoire, le tricien, le plombi, la banque. C'était vraiment très compliqué parce qu'il fallait à chaque semaine finir le projet. Et j'étais jeune, j'avais 20 ans quand j'ai commencé, et j'étais une fille, ce qui n'a pas rendu les choses si faciles que ça a l'air. Donc, 2 ans de construction, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu des fournisseurs, les clients, même si tout était signé sous contrat. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas honnêtes, mais en même temps, j'ai rencontré des gens qui étaient honnêtes. Mais bon, quand tu rencontres des gens malhonnêtes, les rayards de l'Ikram Salimini nous laissent tout pour qu'à gérer l'AF, mais Kamara, j'ai déjà beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Mais n'empêche qu'avec tous ces efforts, j'ai pu quand même concrétiser ce projet. Et là, ça donne le résultat suivant. Alors, on propose de la restauration marocaine traditionnelle, de qualité. On propose des dîners spectacles fantasia, le folklore, on met en valeur le folklore, l'accueil marocain, la tradition marocaine dans un cadre. Voilà ce que ça a donné après 2 ans de construction.
maintenant, ça fait 5 ans que ce projet est en activité. Il reçoit plusieurs visiteurs, que ce soit nationaux qu'internationaux. Je me suis forcée, alors on organise les team building. On organise, en fait, quand j'ai commencé initialement, la majorité de mes clients, c'était les agences de voyage. Malheureusement, le tourisme Agadir, même si on a la vision 2010, ce n'était pas vraiment l'effectif que j'attendais. Alors, les 3 premières années, j'ai eu beaucoup de difficultés à rentabiliser le projet, à payer mes dettes. Parce que même si on reçoit beaucoup de touristes à Agadir, on ne les voit pas, parce qu'ils sont tous aux hôtels. Avec le all-inclusive, les touristes restent à l'hôtel, ils achètent tout à l'hôtel, et finalement, les restaurants et tous les projets qui se font à côté, ils meurent. Donc, quand j'ai commencé, j'ai souffert, parce que je n'ai pas trouvé les clients, ils sont là, mais je n'arrive pas à y avoir accès. Donc, je me suis dit, bon, c'est vrai que mon produit, il met en valeur la tradition marocaine. J'ai eu pendant 3 ans beaucoup de difficultés financières, Alors, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est d'avoir 50 personnes réclamant l'argent et tu n'as rien à leur donner parce qu'il n'y a pas assez de clients. J'avais 20 ans, j'étais pleine d'espoir, j'étais enthousiaste, j'avais tous les rêves du monde. Mais la réalité fait que tu es face à une réalité. Il faut faire face à ses engagements, mais il n'y a pas de clients. J'ai construit, j'ai créé un beau produit. Mais la clientèle, au départ, n'a pas suivi. Alors j'avais deux choix. Soit fermer parce que je n'avais pas de quoi payer les gens, soit me battre pour continuer. Alors c'était un parcours de combattant aussi parce que il fallait vraiment dépasser la phase critique. Et comment je l'ai dépassé? J'ai pensé à diversifier mon produit. Je me suis dit, j'avais un concept initial, il faut toujours avoir un esprit large, trouver des solutions, des alternatives. Alors j'ai ciblé la clientèle marocaine. Au départ, j'étais sur mon concept, sur mon local, qui était à 25 minutes d'Agadir, ce qui était un handicap pour quelques clients. Alors j'ai lancé l'activité traiteur. Je me suis dit, j'ai l'équipe, j'ai le matériel. Je vais sortir vers les clients, je vais chercher d'autres clients. Il faut que je survive et j'ai survécu, alhamdoulilah, maintenant après 5 ans. Alors, ce que vous voyez dans les photos, c'est quelques activités qu'on organise chez nous, mais finalement, je me suis diversifiée sur plusieurs segments. Alors, je travaille avec les agents de voyage et notamment les touristes. Je travaille avec des entreprises pour l'organisation des dîners de gala et des événements avec des spectacles, comme vous voyez, son et lumière. J'organise les cérémonies de mariage, je fais traiteur, j'organise des team building, et c'est ce qui a garanti ma survie, heureusement. Donc, pour dire que ce n'était pas facile, mais quand même, si on tient à la chose, on peut la réussir. Mais quand je le dis, ça paraît peut-être vraiment très radra, mais il faut le vivre. Et moi, je suis persuadée que la plupart d'entre vous, il ne sait même pas encore ce qu'il veut faire par la suite, parce que malheureusement, la plupart des formations qu'on reçoit, c'est des formations généralistes, qui ne permet pas de savoir qu'est-ce que Ashnou Brinen dit. On ne sait pas, on a un problème d'orientation, mais on ne sait même pas ce qu'on est capable de faire. On ne connaît même pas nos compétences, parce que c'est dommage. Donc, moi, j'ai eu la chance de me retrouver dans ce projet, et tout mon bagage que j'ai accumulé pendant toute mon enfance, toute ma vie, Kharajta fait le projet qui était une chance, mais quand même qui m'a fait beaucoup souffrir, parce que quand tu te retrouves dans des situations où tu as des engagements, tu n'arrives pas à faire face à des engagements, c'est déprimant, parce que on ne fait pas face à nos engagements. Mais quand même, alhamdoulilah, que Allah a donné la force et la volonté de réussir, alhamdoulilah, maintenant le projet, il est très connu, Fagadir, les gens l'apprécient beaucoup, mes clients sont fidèles à moi pendant 3 ans, et j'ai beaucoup de espoir pour le futur. Alors cette conférence, pourquoi je suis là, et je tiens le message que je tiens à communiquer, c'est que franchement, il faut qu'on soit courageux, qu'on soit créatif, il faut que la peur d'échouer s'attriède, la peur de s'exprimer s'attriède. Moi, j'ai assisté à plusieurs conférences où j'avais peur de m'exprimer, les trucs liénes. Je me disais, peut-être, la confiance en soi. La jeunesse d'aujourd'hui, pour moi, on a besoin d'avoir confiance en nous et on a besoin d'être une force de proposition. Parce que malheureusement, moi je dirais que le système éducatif, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, on était plus réceptif que créatif.
Maintenant, il est temps qu'on change les choses. Il faut que nous donnions au système. Et pour donner, il faut d'abord un qraou. Quand je dis un qraou, la documentation générale. Khassan afou ce qui se passe. Khassan afou le tarikh dialna. Khassan afou nijina. Khassan afou le nes l'ekblimna jderoulina. Khassan afou ech nous wajib dialna hnaya ndirou pour la génération future. Moi, je parie que la plupart des nes l'ekhadrin, j'espère que j'ai tort. Qrina tarikh ou géographia, mais j'ai souvent le chisou alf tarikh, personne ne va répondre. Hafoudnaha. Ou le sinaha. C'est une réalité. Maintenant, il y a tellement de loisirs maintenant dans le monde. Il y a tellement de choses, les séries, l'Internet, Facebook, les musulmans. Et mon quotidien, je me rends compte que ma kandiru walou, halat blina, mais on ne fait rien, on n'est plus productif. Ce que j'espère de la présence et les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'on revienne en force, نقراو داكشي اللي ما قريناش ملي كون نقراو انديبوندامون دو ليكول اون كري ان باجاج كولتوريل اون كري اون انوف نكونو اون فورس ديال المغرب دوجوردي باسكو سي نو كي فيرو لو ماروك دو دومان اي اون ايتون باسيف اون نو بو با افونسي. Alors quand j'ai vu l'exemple du Japon, ça m'a impressionné. Ça m'a vraiment impressionnée parce que je me rends compte qu'on est très loin. Sachant qu'on a une particularité énorme que les autres pays n'ont pas, qui est notre religion. Alors, notre religion, on trouve toutes les valeurs. On trouve les valeurs d'y le partage, d'y le respect de l'autre, d'y ahib li akhika ma tuhibbuhu li nafsik, on trouve toutes les valeurs. Mais malheureusement, on ne les applique pas. On les connaît par cœur. Mais la réalité, le quotidien, on ne les pratique pas. Moi, je pense qu'on doit retourner à notre religion. Et chacun de nous doit d'abord être convaincu que. Moi, je pense qu'on aura une société meilleure que le Japon. Donc, il faut qu'on s'inspire de notre religion. Parce que la première fois, c'est le monde marocain, c'est le monde international. Et merci beaucoup et à bientôt, ça. Merci.